matin, démarrez journée avec Mega Matin. Vous connaissez toute la capacité dans la province, dans le prince, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Mega Matin, journal créole Radio Mega, côté vérité sont priorité. Mega Matin, 5h, 7h du matin. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Mega Matin. Premier journal Radio Mega qui passe sur le réseau Radio Mega dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud de Floride, là, dans les États-Unis. Premier barrette un journal Mega Matin sur antenne Radio Mega, c'est Kounia, jeudi, c'est le 16 mai 2022. Et semaine débassée, un très bon week-end, déjà un très bon lundi, puis une très bonne semaine d'information sur antenne Radio Mega. Bonjour avec Marcel Joseph Café, Malef Technique Bonon en Haïti. Samba Bléolatri, collaborateur de Miami. Bonjour Jean-Willer Sévère. Bon lundi, bonne semaine, messieurs. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonne semaine d'information sur antenne Radio Mega. Rapidement, quelques principales informations à développer dans le journal là pour matin le d'ici là. Malgré 400 maos au Pavle Badba, la police continue à traquer M. Sayo à tout allié au Vitellomino. Pendant le week-end, plusieurs membres gang ça tombé en babal parmi Ricardo Charles qui était Kenamel Yongalil. J'aime bien son ça qui gagne seulement 21 l'année, t'as troqué connu avec la police dans une zone qui est en bas pica, dans commune. Croyez-vous? C'est dans toute commune, section communale. La police a traqué Bandi Cap pour quitter Port-au-Prince pour y aller Mirbalet. La police a le marié sous cabane l'hôpital pour y heureusement avec guerrier Frispel. Des bandits puissants dans 400 marivaux. Ami Aguane Parquet a annoncé opposer la patte sous prévu cadet. Il a présenté comme un bandit 400 marivaux. L'opération, la police a mis dans Mirbalet mené. Il a posé la patte sur 13 individus qui sont dans la section des bails en commune Boukakaré. Mais c'est ça aussi un petit boyé dans la plaine d'après le commissaire police Mirbalet qui c'est Mathias Jean-David qui remercie la population. Qui facilite et fait un coup de filet ici là. Ancien député Arnel Belize Baye, premier ministériel, responsable du phénomène de sécurité à Capta et Bandan payant. L'aile pas jamais activé machine sécurité publique là. Ancien parlementaire allongé de l'issue sous certaines autorités dans le système sécurité à Tancou. Ministre intérieur, l'expliquer, le commissaire gouvernement porte-presse Jacques Lafontain, qui est d'après lui-même pas compétent et qui est visible de ses KPG sous deux. Rencontre entre Ariel Henry et Magali Komodeni a continué à soulever réaction à la classe politique là. Organisation de la capitale européenne. Vous j'étais bien le raconte ça. Pour papa au PL Daniel Syria qui a bien raconté ça pas engagé à Fort Montana qui paye bien privé. Toute rencontre qui a engagé Montana doué et discuté à Cressy à Théo selon Daniel Syria. Papa au PL a minimisé notre ancien sénateur Mouja Charles qui fait qu'on a été rencontré coordonnateur au PL Edgar Leblanc fils. Pour Daniel Syria qui a cité une rencontre informelle qui n'a pas engagé parti. Mouja Charles qui est membre du gouvernement n'a aucune légitimité pour chercher solution pour crise là. Ce contenu de l'île, Jean-Charles Moïse a annoncé l'été rencontré en sénateur Edgar Leblanc fils dans le cadre des marches et marchés contraires à la partie politique. Objectif des marches, c'est travailler à la politique politique pour jouer une sortie de crise après y a fait face à des dans sa vie. Encore imité d'Haïti, critiqué eux-mêmes pour discussion qui démarre entre Ariel Henry et Magali Komodeni. Pour AUH, c'est intérêt personnel qui va engager l'autre acteur dans la crise là. Encore unité d'Haïti, quoi pas qu'à une solution, c'est implication. Encore au septembre, Montana Pen. Christelle Décime continue de proposer formule à Triumvirat comme solution. C'est tout le monde qui a pris les devants prix produits pour les nécessités qui participent en grève des bois. Le ministère commerce a été disqué à annoncer diverses mesures pour essayer d'améliorer la situation. Ça, programme apaisement social, 3 milliards de gouttes qui prennent lancer la veillance, c'est une solution. C'est une solution. Mieux d'après Ricardo Saint-Jean qui s'est ministre commerce a été disqué. Vendredi passé à commune Cité Soleil a fêté 20 années initiative citoyen pour changement. Qui cité à plaider en faveur de la peine en commune, Benoît Gustave, qui s'est conseillé sur qui ça, lancé un appel à ben, gouvernement pour rétablir l'autorité de l'État dans cité soleil. On a fait connaître cette commune Tabatou qui t'a pas fait vers aller dans la peine à cause de bataille gagnée. Groupe réflexion tabac qui gagne en tête, les Winner Etienne n'a pas caché préoccupation par rapport à la quantité citoyenne dans la commune ça, qui quitte la caillou pour qu'on connaisse qui l'est et a retourné la caillou. Gouvernement Ariel Henry a nommé une nouvelle commission municipale dans la tête de mairie Akaya qui vient à tête les Jean-Edner Gilles. Un changement qui fait quelques jours seulement avant la célébration du 19e anniversaire création de Gapouana Akaya.
Gen 3 grands chantiers parmi eux, sécurité Captain. Nouveau commissaire municipal, Jean-Énergie, l'a fait déclaration ça. Pendant le thé, accompagné Rosny, la petit frère, qui t'a visité ville, dans le cadre de préparation, fait drapeau à 18 mai et Cap-Vinila. Point ça, à cas divers, l'autre café essentiel, dans le cadre de premier barrette, journal Mégamaté, vous semaine, non? Mais dans différentes rubriques, nous l'avons de côté, comment t'as plévé avec Madame Christelle Saint-Georges, qui a peut-être pour nous toute la dernière prévision météorologique pour jeûner lundi là. À cas différents collaborateurs, nous avons toutes les informations sur diverses zones de la région métropolitaine, dans le cadre de week-end traversé. Nous avons fait même exercice avec différents correspondants dans le cadre de rubrique à Rome Provincio. Voilà ces points sérieux à cas différentes rubriques ça qui préfèrent essentiel dans le premier sorti journal Mégamaté pour semaine là pour matin lundi 16 mai 2021. Rétez branché et pas commenter bouton radio. N'a pas tout n'a qu'à après entrer dans le développement information yo, mais pendant le week-end là, hier dimanche, la situation était compliquée en pile pour mon peigné, mon zone Fatima, peigné 48, peigné 40, 50, 60. Situation était très compliquée côté habitant dans la zone, t'as lancé en pile SOS là bon côté autorité policière yo, à cause groupe gang, yo lancé d'ailleurs ce groupe gang Vitel homme innocent qui a dit Jean Léa qui t'a pillé business moon, mettez disque dans business moon, mettez disque caille moon et situation qui était très très compliquée qui est ailleurs dimanche là pour moun dans différents peignons là différentes zones en peignons alors localité dans peignons j'en dis à peignons 48 50 60 zone bois Fatima. Situation était très compliquée pour Mounio dans la zone ici là. Et la police pendant toute semaine là, t'es mis équipé la TEA, mène opération dans la zone peignée, mène opération dans base Vitellum, côté machine saisie, grand pile un bandit qui tombait en bas de la police et gens là qui jouent dans l'arrestation, qui t'a membre gang 400 membre Vitellum d'après la police. En même temps, tout gagne membre gang 400 maozoto qui tombait dans quoi des bouquins. On vient avec information, on vient avec vous. Gagne citoyen ça qui est Ricardo Charles, qui c'est membre gang 400 maozo, qui t'a gagné mais le fusil automatique Galil qui plaidit la ville de la Koubala avec la police dans le cadre d'opération que la police menait samedi 14 mai 2022 non côté qui est en bas piquant une localité qui trouvait la zone bon marché communal quoi des bouquets ben Ricardo Charles monsieur c'est Simon Keskoff monsieur gain 21 l'année sous tête li 21 l'année monsieur gain sous tête li mais qui déjà son membre influent groupe gang 400 maouzo d'après ça que la police dit la police qui a mené opération depuis plusieurs semaines depuis plusieurs jours là dans divers côtés et opération ciblée dans des zones côté que bandit a ben problème côté que déjà ah, la police à France elle lui renouvelé engagement volontaire au commandement PNH là pour capable traquer tout bandit qui a ben problème dans différentes zones yo là ça arrêté arrêté si au même yo pas fait ça avec la police mais si a fait réticence ça beaucoup côté coup de balle il a blessé mortellement d'après autorité policière encore Ricardo Charles membre actif gang 400 Maozo monsieur tombé en bas la police en samedi 14 mai 2022 donc côté créé en bas piquant localité qui part de le marché communal et la police fait qu'on est qui monsieur Tegon Gogali l'amène le moment de tirer coup de balle avec la police et monsieur seulement gain 21 ans sous tête. Information n'a toujours été dans sa qui est avec la police qui participe à une opération pour capable poser la patte sur divers individus qui a troublé sommeil population. La police dans Mirbalè qui a posé la patte dans le centre hospitalier bas plateau central sous des individus qui ses membres actifs dans 400 maozo avec vite l'homme. C'est Poyo Rosmoko avec Guerrier Frisnel. Des individus ont été blessés par balle pendant l'échange de tir avec la force l'audio, nous avons un torsel et puis à quoi des bouquets, ils ont été réfugiés dans le département santé payant dans l'idée pour être capable de joindre soin car ils ont nécessité et conformément à l'instruction du directeur général AIA France LB, le patrouille préventive à coopération ciblé à poursuivre à niveau à toute juridiction police là dans l'idée pour permettre à la population vaquer librement à occupation. Je dis à la police pas seulement mobilisée dans Port-au-Prince à Pondi dans Peigné dans quoi des bouquets à Matisse Fontama la police dans le département nord pays a tout mobilisé dans centre mobilisé dans le cadre de checkpoint que la police a été réalisé dans date qui était jeudi 12 mai 2022 la police dans nord pays a arrêté 9 individus
dans la commune Saint-Raphaël. D'après une source policière qui est capable de faire confiance, et parmi neuf individus, ça a eu plusieurs dans yo, il y a un qui est Lucien Cadet, alias Master Freak, qui s'est présumé membre gang groupe 400 Maouzo. Monsieur était dans un bus qui a fait route pour capable entrer Port-au-Prince. Mais parmi les gens qui ont arrêté aujourd'hui, il y a Lucien Cadet, alias Master Freak, qui est membre gang 400 Maouzo. Mais il y a l'autre individu comme un relais, il y a Frédéric Mionch, il y a World Gendor, il y a Prince Eidi Axil, il y a Fanel, il y a Guinel Alcé, il y a Davinson Blanc, alias Wewe, il y a Iver Evans. Présumé bandit a arrêté pour détention illégale des armes à feu et association malfectée. Pendant même journée dans la localité Marécage, on certain de Davidson Blanc qui était chargé pour contrôler munitions question balle sao pour bande armée pour bandit sao. Evans Iver qui s'est négé à l'imbé, qui les mêmes tout, qui était dans la main, ça a un calibre M4, ils ont armes dans la main. La police a arrêté ensemble avec monsieur dans la main, pour nous dire bien. Individu sao pour qu'on a placé dans garde à vue et gagné la police dans nord qui a pour capable transférer le dossier ça. Ben, autorité dans Port-au-Prince pour capable faire suite à l'égal yo, d'après ça qui dit bon côté autorité et policier yo. Pour toujours été avec la police qui participe mettez main la collecte tout le monde qui t'a fait partie groupe gang qui a terrorisé population gain pas qui aguana qui n'a tête collé avec la police nationale d'Haïti qui a arrêté un individu qui suspecté d'un membre actif groupe 400 Maouzo lycée les Lovie Cadet, mais la police a posé la patrouille samedi 14 mai. Pression commencé à exercer sous chef parquet juridiction ça pour libérer présumé gang ça. D'après commissaire gouvernement, les journalistes le 14 mai 2022 à Namiaguan, Lovie Cadet, l'État membre actif, bande 400 Maouzo, d'après confirmation chef parquet. Les gains sous compte banque, les 140 000 dollars américains, selon dernière information, paquet Miaguan ne fait qu'on est, gain 10 000 dollars américains qui déjà disponibles sous compte cabinet avocat pour capable libérer là, pour l'instant par petit agent Ernst Muscadet, direct FM et puis inébranlable sous décision là pour capable attendre Clovis et Cadet pour sous accusation qui posait sous dollars. La justice doit être fait pour la population capable en sécurité d'après Muscadet qui fait qu'on est l'irrité ferme avec la décision. Ça faut l'étendre d'abord Clovis pour capable avant pour le connaître pour libérer ou pas. Jean-Séverzi Yacoub, Clovis Cadet, monsieur qui est un membre actif pour gagner 400 Maouzo que la police a arrêté samedi et qui c'était 14 ans dans Miraguane. C'est commissaire gouvernement Miraguane, Jean-Ernest Muscadet, qui posait la patte sur monsieur et maintenant chercher fouiller. Mais la police avec la justice joint que monsieur gagne 140 000 dollars américains sur compte lui. Bon, faut qu'on ait ça, monsieur a fait. C'est des ça passé. Comment faire monsieur gagne tout l'argent sur compte lui? Est-ce que monsieur dans l'immobilier? Est-ce que monsieur dans l'autodil? Tout ça, ça veut dire, faut poser des questions. Mais ça qui est certain, monsieur déjà t'a metté 10 000 dollars américains prêts à la pour payer, disponible pour le payer cabinet avocat pour être capable de libérer. Et commissaire Jean-Ernest Muscadet, lui-même ne dit pas prendre un petit cap pour la pression qu'a fait sur le libérer monsieur, mais l'icône était ferme à la ganache. Pour que le temps d'histoire, ça pour que la police soit capable d'agir contre monsieur. Et n'a pas rappelé Jean-Ernest Muscadet, c'était commissaire, ça qui fait une déclaration, il dit, bah, c'est que sa police avec un sexe Galil pour l'entrée dans le village, eh bien, pour le mettre la paix dans le niveau 3e, dans là pour la vie capable de prendre. Nous faisons un petit rappel de déclaration qui est faite à mon côté, commissaire Jean-Ernest Muscadet, commissaire Miraguane. Information toujours qui est pour avec la question la police individu, il y a environ 13 individus qui sont sortis zone Bitboyer, porte dans la commune Croix-des-Bouquets, qui est une arrestation dans la localité Piton, qui est dans la section des bails, commune Boucan-Carré, suite à une grosse opération commissariat Mibale-Mené, qui est dans les matières. Jean-David, dans tête li, vendredi soir dans un souhait pour arriver samedi matin 14 mai 2022. Hein. Responsable commissariat fait qu'on est, c'est avec aide population qui t'est informé, qui fait yo réaliser. Coup de filet ça, demandé pour population continuer à collaborer avec la police, avec autorité judiciaire dans différentes communes pour capable de marrer tout individu, tout suspect qui quittait le côté problème pour venir cacher. Pour venir par problème avec l'autre zone côté vénérité. C'est ça, je dis, hein, la police, ensemble avec la justice, qui est déterminée pour permettre que la paix capable d'aller bien dans le pays. Hein, et France LB encore qui relève engagement là, pour pacifier le pays. Hein,
à côté bandits à bas problème chaque jour bon dimité. Toujours dans ce dossier concernant PNH là, un bégain responsable de la direction départementale de la police NIPLA qui dresse le travail réalisé sur le 22 mars pour le 22 avril 2022. En période ça, il y a été enregistré 50 cas à côté, il y a arrêté 56 personnes, il y a reproché pour viol, vol à association, malfaiteur pour citer ça seulement. Parmi 56 arrestations, c'est selon le porte-parole police NIPLA, Astrel Calix, il y a exécuté 19 mandats et 37 autres flagrants délits. Astrel Calix a dit plus pour collaborateur nous, Henri Claude Clair Saint depuis Miyagouane. Nous enregistrons 50 cas et nous arrivons à arrêter 56 individus mal intentionnés. Et infraction ça est répartie comme ça. Meurtre par arme blanche. Nous gagnons seul cas que nous enregistrons, nous arrêtons un monde. Nous gagnons association malfaiteur. Nous gagnons 4 cas enregistrés, nous arrêtons 6 mondes. Viol, nous gagnons 2 cas enregistrés, nous arrêtons 2 mondes. Nous gagnons tentative de viol, 1 cas enregistré, nous arrêtons 1 monde. Tentative d'assassinat,